Ça suffit! Je peux t'attaquer de temps en temps, oui. Pour ceux qui se demandent, c'est une soufflette. Hein, une soufflette. Une soufflette ou une pointe de lavement. Pour enlever la poussière du matos photo vidéo. Voilà, c'est un enfant! C'est un enfant. Bonjour à tous, hein, quand même. Bonsoir! Pardon. On espère que vous allez bien. Je suis toujours avec Dylan aujourd'hui, qui va m'accompagner pour cette ouverture. Et comment tu vas? Bah, ça va. Et toi? Bah, nickel, on va ouvrir. Je peux que aller bien, non? On va ouvrir des cartes Pokémon, quand donc même. Ça peut que aller en fait. Complètement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du coffret Motorizar X. Alors, il y a quoi dedans? Il y a 4 boosters, mais c'était quoi? Du Tempête Argentée et quoi d'autre? Du Écarlate et Violet. Ah, bah oui, oui. Ce qui est logique. On a 2 cartes promo de Motismash, je sais pas pourquoi, et de Motorizar, mais avec la brillance, vous savez, de la nouvelle série Évolution Apaldea avec les petites étoiles dessus. Ouais, mais sauf que c'est sorti bien avant, donc j'arrive pas à comprendre. C'est sorti bien avant, oui, peut-être. Je comprends pas. On a eu un avant-goût, en fait, avant la série de Évolution Apaldea, donc EV02. Et du coup, ce coffret me provient de la boutique Pokémums. Donc merci beaucoup à Pokémums. Je mets le lien de son site dans la description si vous voulez faire un tour. Il y a beaucoup de licences présentes, beaucoup d'articles différents. Et je pense que ce coffret est encore disponible à la vente. Tu sors. Tu sors. Pardon. La porte, elle est là. J'ai dit que j'avais le droit de t'arrêter. Attention, la terre tremble. La Madeleine a bougé, attention. Et du coup, je vous présente quand même le dos du coffret. À l'intérieur, on a bien 4 boosters. On a une carte Jumbo, effectivement, j'en ai pas parlé. Les cartes Jumbo, donc les cartes géantes, hein, bien sûr. Et attends. Les cartes géantes qu'on sait pas quoi faire avec. C'est vrai que je l'ai pas montré, mais bon, on la montrera mieux tout à l'heure. Et les deux cartes promo différentes. Et puis voilà, un bref descriptif, en fait, du coffret. Donc je vais l'ouvrir, je pense. C'est ton premier que tu ouvres? De quoi, de Motorizar? Ouais. Oui. Ok. Du coup, on va ouvrir ce coffret hors caméra, faire la petite ouverture et vous présenter, comme d'habitude, les cartes promo. Et bien, à tout de suite. C'est... ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est ce coffret. Tu le sens pas? Si, j'ai l'impression. Mais j'ai pas envie de le dire, du coup. Pour pas porter la poste? Ouais. Et nous revoilà. C'était très très court pour vous, mais un peu plus pour nous. Oui, c'est clair. Du coup, on a 4 boosters à nouveau, donc 2 tempêtes argentées, 2 écarlates et violets. Mais avant toute chose, les cartes promotionnelles. D'ailleurs, celle-ci n'en est même pas une. Mais elle est mignonne. Bah si. Ah non. C'est pas une carte promo, non. Ça appartient à SV1, donc voilà, écarlate et violet tout court, de base. L'holographisme est pas comme ça. Non, l'holographisme est pas... C'est propre aux cartes des coffrets, ça. Ouais. Les coffrets, les tripas, ils aiment bien faire une forme... Oui, mais c'est marqué promo. Non. C'est pas marqué promo, c'est sur les tripas. Celle-là, ça va être une promo, c'est sûr. Mais celle-là, non. C'est une réédition, du coup, d'une holographique déjà existante, mais sous une autre forme de brillance holographique. Hein. C'est pas la même holo, bien sûr, qu'on peut retrouver dans le set. Et nous avons ensuite... C'est mignon. Le Motorizar X qui, elle, par contre, est une promo, voilà, parce que ça, c'est la promo du coffret, forcément, c'est le coffret Motorizar, donc c'est plus logique en ce sens, et c'est la promo numéro 18, hein. Donc voilà, avec les petites étoiles, trop trop mignon. Elle est belle, hein, quand même. J'aime trop, non, mais c'est bien parce qu'on rattrape un petit peu les brillances des cartes japonaises, parce que c'est vrai qu'au Japon, ils ont souvent ce genre de brillance, mais nous, en France, pas tant que ça, donc c'est très très bien, j'approuve vraiment ce changement. Et ensuite, on a bien sûr la carte Jumbo, hein, que je vais pas non plus présenter, parce que c'est exactement la même, mais en géante. Hein. Donc voilà, par rapport à ma main, vous pouvez le constater. C'est clair, même à la mienne, c'est n'importe quoi. Et du coup, voilà, les deux boosters, on va en ouvrir. Ah, regarde, j'avais pas vu, Star étincelante. Ah ouais. J'ai absolument pas fait gaffe. Moi non plus. Très bien, on va commencer... par Star étincelante, ensuite Tempête argentée, et on va finir par Écarlate et Violet, hein. Voilà, dans l'ordre de parution, on va faire ça comme ça. Je chope un truc de Star étincelante, elle est bien cette série. C'est vrai qu'elle est bien. Elle est trop bien, je trouve. Moi j'aurais bien voulu avoir du voltage éclatant, même si ça date un peu plus. Les codes blancs, j'avais oublié encore. Du coup c'est toujours un 2, 3, 4, hein. Ouais, exactement. Et voilà, mais que je me trompe pas, parce que maintenant qu'on a changé de bloc, ça devient un peu compliqué. Oh, le zoom progressif, regardez, c'est la technologie. Ok, donc l'énergie, t'arrives. Ambition de Cynthia. Ah, moi, tout ce qui est... Mais j'en peux plus. Il fait chaud, ça fait du bien. Sérieusement. Oui, c'est vrai qu'en été, il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos déjà, parce que j'aurais peut-être envie de prendre des vacances. Hein. Ça serait peut-être bien au bout d'un moment aussi. C'est-à-dire que j'en prends jamais de l'année, hein, des vacances, même pas des week-ends, donc ce serait peut-être pas mal que je m'y mette. Mais aussi et surtout parce que parce qu'il fait chaud et que les spots d'éclairage, c'est insupportable. Donc voilà, je pourrais allumer la clim, mais je vais pas le faire puisque ça ferait un bruit monstrueux. Moi, je suis en train de cuire là comme un hamburger, c'est génial.
C'est un truc de ouf. Donc, du coup, on va pas faire traîner les choses en longueur, hein, parce que nous aussi, on est stupides aussi, on fait traîner les choses alors qu'on cuit, quoi. Donc, Charter, énergie double turbo, bah, justement, on va mettre le turbo, Electek, Brutalibré, Mustéboué, un petit Grignot, j'adore cette illustration, Cracnoir. Il est trop mignon, ce Pokémon. On le voit pas assez, je trouve. Comment il sort du sable comme ça, là. Lucario qui est une rare reverse. C'est une holo. C'est une holo même, hein. Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Boréas. Et Boréas, c'est ben, allez, pas très belle, hein. On next. C'est parti. Tempête argentée. Toi, tu veux l'ouvrir celui-là? Vas-y, allez, si tu veux. Yep. Hop. Oh là là, mon vernis. Oh, c'est une catastrophe. Il a voulu la sortir au mien, donc. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Non, mais quelle horreur, quoi. Je vais mettre qu'est-ce que j'ai pas fait encore. Les cartes sous pochette. En allez, un petit code blanc encore, c'est super. On peut avoir une carte TG aussi. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Alors. Énergie acier. Escroco. Mets-toi plus au centre. Pardon. Au centre et plus loin. Mais je le vois mal le centre comme ouais. Je suis de travers. Neitram. C'est ta tête qui est de travers. En vrai. Roussil. Tilton. Motisma, j'ai bugué, elle ressemble à l'autre. Laporeil, Fantirme, Fampi, Alakazam Radieux. Tu les chopes tout le temps, toi aussi. Ouais, j'en ai au moins 12, c'est pas possible. Et puis, un Fionn. Super. Oh, mais on a un Alakazam Radieux. Au moins, pour un code blanc, on a quand même eu un truc. Exactement. Je l'avais quand même sous pochette, écoutez, hein, voilà. Qui c'est qu'il y a d'autres? Alakazam, Jirachi et qui? J'ai ah, t'as vu que maintenant, Kadabra, il revient. Avec sa cuillère. Non, mais maintenant, en fait, vous saviez que c'était à cause d'un magicien. Hein, Oui. Qu'on ne voyait plus du tout de cartes Kadabra. Enfin, Pokémon Company n'avait plus le droit, en fait, de sortir de Kadabra à cause du magicien en question. Il y avait trop de ressemblances par rapport à lui, par rapport à son nom, par rapport à plein de choses. Et du coup maintenant ça revient. Ouais. Enfin, je crois qu'ils ont de nouveau eu des. Mais dans quelle extension ça? Mais j'ai vu le truc passer que la famille elle va revenir du coup. Oui, c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Donc, c'est vrai qu'on l'oublie hein, facilement en plus. Hein. Bah oui, ça fait un peu longtemps. Non, non, en non. Plus. Un seul. on parle, mais du coup. Ok, donc l'énergie aquatique, registre ami. Bah non, il est là. Flabébé, Toxizap. Tarsal, une hyperbole. Oh, il est trop beau ce Tarsal. Cléopsytra, je l'ai m'assois en fait. Pepper, qui fait la tête toujours. Dogrino, bah. Poivre, il s'appelle Poivre. Sérieusement. Pardon. Ça fait bien les choses, Pepper et Dogrino juste après. Ah oui, c'est vrai. Pomme de pique et super, hein, Flyados, que j'ai eu un milliard de fois. J'ouvre le dernier, ça marche pas. Vas-y. Okay. Hop. L'énergie, je pourrais même la retirer. En fait, je la mets devant à chaque fois, mais je pourrais même la retirer. Magikarp. Franchement, je la tombe pas assez souvent. Hein. Ouais, ouais. Il est beau en plus. Ouais, il y a est deux beau. Illustrations. Pour une commune, je trouve que. Enfin, je la tire pas souvent. Magnéti, ils ont voulu faire le même angle ou. On est en contre-plongée pour les deux là. Oui. Il est mignon le Magnéti. Ah non. Tissamboule, une contre-plongée qu'on veut pas. Attrape Pokémon. Scovilin. Fragroin. Elle est jolie celle-là. Je la trouve belle. Chapignon. Le terrain de plage. Oh, oh. Bon, c'est pas non plus. On aurait préféré un Pokémon, mais c'est, quand même c'est déjà bien. C'est quand même une gold, hein. C'est quand même Allez, une stylé. Gold. Et on a Wimessir avec qui nous offre des fleurs juste derrière. Voilà, et ben super. Bon, c'est bien. C'est bien. Voilà, en 4 boosters, vous voyez que c'est possible. C'est tout est possible. Okay. Elles sont belles, hein, les super. Énergies. C'est là 258. Voilà, une secrète gold, hein, avec les 3 petites étoiles juste ici. Bon, c'est vrai, comme tu dis, il y a mieux hein, comme Secret Gold, oui. Mais je ne l'avais pas. Je ne l'avais T'as pas. T'as l'électrique, non? J'ai l'électrique, mais j'avais pas celle-ci. Voilà, en fait, on a eu les 2 cartes promo ici, et ces 2 petites cartes-là. Bon, c'est une bonne pioche. C'est pas mal, franchement, pas mal. En 4 boosters, c'est même très très bien, je suis quand même très contente. Sachant que bah, dans un coffret de 4 boosters, ça devient quand même très compliqué. Voilà, on espère que vous avez passé un super bon moment. Ce coffret était bien sympa en fait. Ouais, moi j'étais en mode ouais, 4 boosters ça va être beaucoup trop rapide et tout, mais en fait. Bah c'est rapide. Mais quand on a genre de pioche, ouais, c'est bien. Ça fait durer le plaisir un petit peu. Oui. Donc voilà, merci d'être venu pour cette vidéo. Merci à toi. Ça a apporté un peu de fun. On espère que vous appréciez quand on est tous les deux ou quand je suis avec d'autres personnes. Ça apporte surtout un peu moi, de... arrête.
Surtout moi. Moi, je vais me faire une crise de jalousie à toi. Complètement. voilà, bah, en tout cas, tu m'as porté chance, hein, visiblement. Ouais. C'est cool de choper ce genre de carte en si peu de boosters en plus. Je rappelle que le produit est disponible sur la boutique Pokémon. Je mets le lien en description si ça vous intéresse. N'oubliez pas d'interagir dans les commentaires pour me dire ce que vous ouvrez en ce moment. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, enfin, surtout moi en fait. Oui. Plein de piquets bisous, prenez soin de vous et bye bye. Bisous.